Salut, salut! Alors aujourd'hui est un grand jour, enfin un grand jour. Aujourd'hui je vais faire beaucoup de choses en fait. Je vais faire beaucoup de choses, donc je suis un petit peu pressée. Enfin quand je dis beaucoup de choses, c'est pas énormément non plus, hein, j'exagère. Mais je sais pas, si vous voyez que mes sourcils ils sont... je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu bizarre parce que j'ai les sourcils qui sont pas trop dessinés. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, là, je vais aller chercher Shashuna à midi à l'école, mais je ne sais pas s'il finit à midi ou midi et demi. Parce qu'il m'a, j'ai envoyé un SMS mais il m'a pas répondu et une semaine sur deux il finit à midi et demi. Donc là je sais pas si c'est aujourd'hui qu'il finit à midi ou midi et demi. Donc là je vais aller le chercher. Je vais voir s'il a pas terminé à midi, c'est qu'il termine à midi et demi. J'irai chercher. Il prendra le bus. Il prendra le bus. Et là je pars avec, je pars manger à Buffalo avec mon père et mon frère. Voilà, hein. Que nous, que mon père et mon frère, hein, Cindy et Jennifer, je penserai à vous. Voilà, on part tous les trois manger, ou Shaheen s'il est là, sinon ben, il n'aura pas le temps, parce que s'il termine à midi et demi, il faut qu'il soit à 1h30, 2h moins 20 à l'école, et ça sera trop juste parce que Buffalo, ils sont hyper longs, mais ils sont hyper longs. Donc voilà, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je reviens à la maison chercher mes affaires, et je repars faire ma petite retouche de la lumière pulsée sur les jambes, parce que j'avais fait la lumière pulsée, j'avais fait la lumière pulsée. Et du coup, tous les 6 mois, j'ai une petite retouche d'ailleurs que j'avais oubliée. J'ai envoyé un message à Laura et je lui ai dit, j'ai oublié de faire ma retouche. Donc elle m'a dit, ben viens. Et j'en profite d'y aller aujourd'hui sur Toulouse parce que du coup, à 17h30, j'ai rendez-vous pour le poil à poil. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils savent que j'avais été au boudoir du regard et j'avais fait à cette époque le tatouage semi-permanent, c'est-à-dire que j'avais tout rempli. C'était très joli, c'était super bien fait et en plus, ça a super bien tenu parce que je crois que ça fait plus de 2 ans que je l'ai fait. Et là, par contre, j'avais envie de changer et j'avais envie de faire du poil à poil pour que ça soit beaucoup plus naturel. Donc, je vous montre mes sourcils comment ils sont. Et j'avais envie que ça soit beaucoup plus naturel. Donc, du coup, j'ai vu avec Smokey Brown qui veut bien me faire le poil à poil. Normalement, elle va me faire ça si, voilà, si elle peut. Parce que après, je sais pas, imagine, j'arrive et elle me dit non, ton tatouage, il est pas assez effacé. Voilà. Donc, vous en saurez plus tout à l'heure. Je vais y aller parce que là, il y a mon frère qui m'a envoyé un message qui m'a dit on va bientôt partir. En fait, ils sont sur Montauban parce que la femme de mon frère, elle s'est fait enlever les dents de sagesse. Bon courage à elle parce que moi, j'ai dégusté un moment. Donc du coup, vu qu'ils sont sur Montauban et puis qu'elle, elle va dormir entre midi et deux, je leur ai dit venez, on va manger au Buffalo. Puis voilà, on se fait une petite sortie entre frère, père et sœur. Et puis voilà, c'est rare parce que d'habitude, c'est que elle, ma mère et mes sœurs. Et là, du coup, c'est mon père et mon frère. Donc ça va changer du coup de... Ça va changer. Voilà, donc j'y go parce que je suis en retard, il est midi 5 et si Shashuna est sortie, ben je suis en retard. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, allez. C'est bon, on est Ouais. arrivé. Ouais. Clément, redis ce que t'as Ouais, dit. ouais. Ils sont rendus, ils sont massards. Il est jaloux parce que, il est jaloux Je parce que redis. le mec à côté, il a une grosse Hey. salade jusqu'à là. Et lui, il arrive ça. C'est jaloux, Clément. Ah ouais, c'est Prends la mienne si tu marrant. veux. Moi, je veux pas la manger. Bon, allez. On l'a payé. Papa, t'es content? Et puis Tu te retrouves avec ta fille et ton fils? Mais... Pour une fois? Pour une fois. Il y a une dame. Ouais. Il y a une dame, oui. Comment? Tu tires la langue au mec. J'ai fait de comme une main. Elle peut manger, elle a regardé. Clément il fume et il y a les gendarmes et les CRS partout à côté. Mon père il a peur. Bon, j'ai pas peur moi. Ah, Clément il a dit quoi? Il a dit t'as pas peur toi On est. Ils sont en train de faire leur petit. C'est là qu'il arrive à être un pain de bain pour moi. Leur petit. Je crois qu'ils sont en train de manger. Ah ouais, il y en a partout. Ouais. C'est l'heure de manger, je crois qu'ils sont en train de manger. Ils vont peut-être à Toulouse, non? Quelle journée, non? Il y a des flics partout aujourd'hui. Ah ouais? Allez, on arrive, arrive. Bon, c'est bon, là, j'ai fini ce que j'avais à faire. Donc là, putain, mes cheveux. Donc là, du coup, je me dirige chez Smokey Brown. Tyssen vient de m'envoyer comme quoi elle descend du métro. Donc je vais mettre ma petite adresse sur le GPS et puis ben, on se retrouve là-bas. Voilà, on se retrouve pour mes sourcils. Je suis stressée. Je suis stressée. Bon, allez, on y va. Les Toulousains, je peux vous dire que je ne supporte pas la ville et les embouteillages. J'ai stressé de mort. J'ai raté la sortie 4 fois. Je me suis garée à Perpète, de peur de ne pas trouver de place. Donc, franchement, je pourrais pas habiter Toulouse en fait. Si t'es pas en métro
ou en transport en commun, je peux pas. Bon, du coup, on arrive. C'est ici, hein? On arrive. Allez, là de suite. Je suis arrivée. Ouais, le avant. Je suis prête. Ouais, le avant. Terminé les sourcils. Comment vous trouvez ça? C'est trop hein, beau, c'est j'adore. Gros, hein. Non, moi j'adore. Hein. Franchement, j'aime trop. Ouais. Moi aussi j'adore. Bon, mais j'ai terminé. Voilà, c'est réussi. Trop contente. Regardez que j'ai plein de petits poils. Donc là, je vais terminer et je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce qu'elle m'a fait. Voilà, je vais répondre à peu près aux questions que je sais qui vont m'être posées. Et puis voilà, donc la douleur, j'ai stressé pour rien. J'ai pas eu mal, c'est comme si que une petite épilation mais vraiment très légère. N'est-ce pas Tissène? Là tu vas avoir trop mal, hein. Je crois qu'elle a voulu me faire peur, elle est jalouse, elle voulait pas que je les fasse. Donc c'est nickel, voilà. Mais je vous explique tout plus en détail tout à l'heure. Là, je vais partir, je vais la laisser aller manger quand même. Parce qu'il est 20h. On va pas exagérer. Bon, mais je suis bien rentrée. J'ai complètement oublié de filmer quand Tissène est partie. Donc là, je suis rentrée. Voilà, donc vous voyez que mes sourcils brillent parce que j'ai mis de la vaseline. Donc une heure après, il faut mettre de la vaseline. Donc, je vous montre ce qu'elle m'a fait. Alors, elle m'a fait un micro-blading ici, là. Comme vous voyez, c'est le poil à poil. Et en fait, du coup, vu que j'avais encore mon ancien tatouage que j'avais fait il y a 2 ans, bah, du coup, elle a préféré me faire un shading. C'est-à-dire que là, elle a préféré me faire un effet poudré. Ça s'appelle le powder brow. Et en fait, elle a préféré me faire un effet poudré pour que justement, ça se fonde bien. Donc là, c'est très foncé parce que c'est très foncé. Voilà, parce qu'il faut attendre que ça cicatrise et du coup je vais perdre environ 50% de la couleur. Donc c'est normal que ça soit très foncé, on verra beaucoup mieux dans une semaine le résultat final. Donc en attendant, ce qu'il ne faut pas que je fasse, c'est qu'il ne faut pas que je me lave le visage à grande eau, c'est-à-dire qu'il faut que je passe autour des sourcils. Il ne faut pas que je prenne de bain avec la vapeur, il ne faut pas que je fasse de sauna, il ne faut pas que je fasse de hammam. Pas de piscine, il faut que je me lave la tête en arrière, en fait il ne faut pas mouiller les sourcils tout simplement pendant 7 jours, il ne faut pas s'épiler jusqu'au prochain rendez-vous, donc j'ai la retouche d'ici un mois, voilà, il y a une petite retouche à faire pour voir ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas, si c'est assez foncé, etc. Ensuite, il faut appliquer surtout la vaseline toutes les 2 heures, voilà, j'ai la vaseline à appliquer donc toutes les 2 heures, et puis je crois que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas que j'ai oublié. Et il faut aussi se protéger du soleil. Donc là, vu que bon, il n'y a pas trop de soleil en ce moment, il faut quand même se protéger du soleil. Voilà, donc moi je trouve le résultat ben, trop beau. Voilà. Bon, après en sachant que ce n'est pas le résultat final, mais déjà, voilà. Bon, je suis toute démaquillée, comme vous pouvez le constater, j'ai les yeux qui sont tout démaquillés, etc. Mais j'attrape un bouton. Mais c'est normal, c'est parce que, ben... Elle s'est appuyée sur mes yeux comme ça pour faire tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, du moment que j'ai la réalisation, je suis fatiguée. Je disais du moment que j'ai le résultat final. Donc, c'est pas grave parce que du moment que j'ai le résultat que j'attendais, ben, je suis contente. Donc, je vous mets toutes ces coordonnées tout en barre d'infos. Je vous mets où est-ce qu'elle se situe. Elle se situe sur Toulouse. Donc, les Toulousaines et les gens aux alentours. Voilà, ça c'est pour vous.
Moi, je sais qu'elle est super parce que Tiziane a encore son microblading. Elle avait fait un microblading et elle, elle a toujours. Elle a toujours, ça fait un an et elle a toujours. Voilà. Donc après, c'est les retouches à faire, on va dire, entre 6 mois et un an. Mais comme elle me disait, il y a des personnes des fois où ça tient super bien et elles n'ont même pas besoin de faire la retouche au bout d'un an. Elles ont. Il faut qu'on voit, faut voir directement avec elle pour la retouche. Mais voilà. Ça peut tenir jusqu'à un an. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, toutes les 2 heures, je vais mettre ma petite vaseline. Là, je vais passer au démaquillage. Je vais aller regarder ma petite télé. Et puis faire un gros dodo parce que je me suis réveillée quand même assez tôt. Et puis voilà. Puis c'est tout, hein. Donc la journée se termine là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense qu'elle va lire les commentaires et du coup elle y répondra. Ou sinon, vous venez me les poser directement sur Instagram, ouais, ou sur Snapchat. Parce que je suis très réactive et je suis plus réactive en journée. Et puis si j'ai une call que j'arrive pas à vous répondre, ben, je lui demande directement et puis comme ça je peux vous répondre. On va faire comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon là peut-être que vous allez les trouver peut-être encore trop noirs. Donc c'est normal. Voilà, ne me dites pas c'est trop noir, nani, nana, je le sais. C'est normal, c'est les premiers jours. Dans 7 jours, j'aurai perdu 50% de la couleur. Donc voilà, mais moi, voilà, je trouve. Mais ça me change en fait. Ça me change totalement. Ouais. On verra. Bon, ben, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye.